Lisons dans la parole de Dieu. Let's read in the word of God. Dans Luc, chapitre 10. Luke 10. Verset 19 à 20. Verse 19 to 20. Pour une bonne compréhension, commençons au verset 17. For a better understanding, let's start from verse 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Luke chapter 10, from verse 17 to verse 20. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Verse 20. However, don't rejoice that the spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ce passage, this scripture, dit deux vérités fondamentales. Give us two fundamental truths. La première vérité, the first truth, c'est que Jésus a donné la puissance, sa puissance à l'Église. Is that Jesus has given his power to the church. Pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan. To trample over demons and all the power of Satan. Ça veut dire que quand tu combats, meaning when you're fighting, ne crains rien. Do not be afraid. C'est toi le vainqueur. Because you are the conqueror. La deuxième vérité, the second truth, c'est qu'il y a dans ce monde, is that in this world, des gens dont les noms sont déjà écrits dans le livre de Jésus au ciel. There are people whose names are written in the book of life in heaven. Jésus dit à ses disciples, Jesus told his disciples, vous avez vu comment les démons vous sont soumis. You have seen how the demons are submitted to you. Mais ce n'est rien. But that's nothing. Votre grand bonheur, your greater joy, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Is that your names are written in the book of life. Offrande d'acclamation. Clap of you. Alléluia. Praise the Lord. C'est par cette vérité que nous allons commencer. It's by this truth that we are going to start. Même si tu es toi seul ici, even if you're the only one here, que tu es le seul païen, that you are the only unbeliever, nous te devons ce message-là. We owe you this message. Donc quand tu écoutes, so when you are listening, ne regarde pas à gauche à droite pour voir si vous êtes nombreux. Il s'agit, c'est ton message à toi. Don't look left right to see if you're many. It's your message to you alone. Comment faire? How to do? Pour que ton nom soit écrit dans ce livre-là. So that your name will be written in that book. Qu'est-ce que tu dois faire? What is it that you have to do? Pour que au jour du jugement, so that the judgment day, ton nom, your name, se trouve dans le grand livre de Jésus. Will be in the great book of Jesus. Ceux dont les noms seront dans ce livre, those whose
whose names are in that book vont vivre avec Dieu éternellement. They will live with God forever. Il n'y aura pas de maladie là-bas, pas de souffrance, pas de démons à chasser, rien. Tout, c'est la présence de Dieu. There will be no sickness, no demons to cast away. Everything is the presence of God. Tout est en or. Everything is in gold. Il n'y a rien à laver là-bas. There is nothing to wash there. Tout est éternel et pur. Everything is pure and eternal. Il n'y a pas de soleil. There is no sun. C'est la lumière de Dieu, la splendeur de la gloire de Dieu qui illumine toute la cité. It is the splendor of the glory of God that enlightens the whole city. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir. There is no morning, there's no evening. C'est un jour de l'éternité. It is the day of eternity. Les gens qui n'ont pas les dents, là-bas tu as toutes tes dents. Those who don't have teeth, there you're going to have all your teeth. Il n'y a pas de gale là-bas, pas de bouton, pas de fibrom, rien. Tout est parti. There is no fibrom, no ball. Everything is gone. Les choses corruptibles, englouties dans l'abîme de l'oubli. Corruptible things are going to be swollen, are going to be swallowed in the abyss of forgetfulness. Nous aurons le corps des anges. We are going to have the bodies of angels. Jésus Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Il faut que ton nom soit dans ce livre. Your name needs to be in that book. La conversion n'est pas un accident. Conversion is not an accident. C'est quelque chose de voulu, de volontaire. It's something that you will, that you desire. Dieu ne distribue pas le salut comme ça, non. God is not distributing salvation like that, no. Dieu appelle, il appelle les hommes au salut. God calls men to salvation. Et les hommes répondent à son appel. And men answer to his call. Ceux qui répondent à son appel. Those who answer to God's call. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Their names are written in the book of life. Si tu entends la parole. If you listen to the word. Tu restes calme et passif et silencieux. You remain calm, passive and silent. Ça veut dire que tu refuses le salut. Meaning you are refusing salvation. Lis pour nous Isaïe 50 à partir du verset 1. Read for us Isaiah 50 verse 1. Tu dois activement accepter Jésus. You must actively accept Jesus. Tu dois volontairement accepter Jésus. You must voluntarily accept Jesus. On peut t'inviter. We can invite you. Ça ne suffit pas. But that's not enough. Tu dois. You must. Dis dans ton cœur. Say in your heart. Il faut que je donne ma vie à Jésus. I have to give my life to Christ. Dès que tu prends cette décision-là. From the moment you take that commitment. Dieu te bénit. God blesses you. Et il écrit ton nom dans le livre. And he writes your name in the book of life. Lise, vas-y. Go on. Ainsi parle l'Éternel. Écoute bien. Listen. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Écoutez. Listen. Dieu veut dire. God is saying. Que depuis qu'il a créé le monde. That since he has created the world. Il n'a jamais chassé quelqu'un. He has never driven away someone. Ce sont les hommes eux-mêmes. It is men themselves. Qui commettent les péchés qui les éloignent de Dieu. Sin that takes you away from God. Là où tu es assis là. Where you are seated. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te dire fous-moi le camp? Have you ever heard God telling you get away from here? C'est ton cœur. It is your heart. Qui te dit va boire le kutuku, va boire le kutuku. That is telling you go and drink kutuku. Et c'est ça qui te sépare de Dieu. And this is what is separating you from quand God. Quand tu as des problèmes, tu dis Dieu m'oublie, Dieu m'oublie. Dieu t'oublie comment? Il relit encore. Il dit où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère? Est-ce que je l'ai chassée? When you have problems, you say God is forgetting about me. He says where is the divorce c'est letter given to your mother? C'est son péché. Chacun, it is your sins. Chacun est perdu. À cause de son péché. Is lost because of his sin. Lis encore cette question que Dieu pose. Read again.
Où est la lettre de divorce? Où est la lettre de divorce? Où est la preuve que je vous ai chassé? Where is the divorce letter? Where is the proof that I've driven you away? Par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu. It's because of your sin that you have been sold out. C'est ce koutoukou qui te garde éloigné de Dieu là. C'est ça qui t'a vendu. It is that koutoukou that is keeping you away from God. That is what sold you out. C'est cette fumée que tu avales. Is that smoke that you swallow? Ce qui a rempli tes poumons. That has filled up your liver, your lungs. Et tu n'as même pas l'intention d'arrêter. I don't even have the intention to stop. Peut-être tu as même ça dans ta poche. Maybe it is in your pocket. Tu attends seulement qu'on marque une pause. You are just waiting for the break. Tu es même capable de te lever, aller fumer rapidement et revenir. You are even able to stand up and go and smoke quickly and come back. Ce sont ces péchés là. It is these sins. Ces masturbations là. This masturbation. Un jeune homme disait que même dans le bus. A young man was saying even in the bus. Un autre disait il était un enseignant. Pendant qu'il enseigne, il dépose la crête, il va en brousse aller se masturber et puis revenir. Another one was saying that he's a teacher. That while he's teaching, he will leave the chalk there and he goes inside the bush and masturbate himself and come back. Nous étions à Tengrela. We were in Tengrela. Un enseignant dit qu'il buvait, il buvait. A teacher said he was drinking and drinking. Il dit quand il boit, il parle, donc les élèves ont chaud. Son cours est long, il parle seulement, il parle. C'est when he drinks, he only speaks. Et il dit qu'il était prédicateur quelque part. And he said he was a preacher somewhere. Avant de prêcher, il boit. Before preaching, he would drink. Il dit quand il parle là, c'est l'onction du vin même. He said when he speaks, it's the anointing of the wine. C'est ça qui te sépare de Dieu. This is what is separating you from God. Dieu ne t'a pas chassé. God has not driven you away. Toi-même, yourself, tu t'es loin de lui. You are getting away from God. Continue. Move on. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Écoutez. Listen. Pourquoi n'y avait-il personne? Je suis venu. Say, I came. Pourquoi n'y avait-il personne? Why was there no one? Quand Dieu te visite, when God visits you, quand Dieu décide qu'il faut que j'aide cet enfant, when God decides that I need to help this child, tu quittes les lieux avant son arrivée. And you leave the place before he comes. Tu fuis Dieu. You're running away from God. Dieu dit, je suis venu, tu étais où? God says, I came, where were you? Il y a des gens pour venir même ici, il faut payer leur transport. There are some people for them to come here, you have to pay their transport fare. Et ils sont là. And they are there. Ils attendent qu'on dise à leur place, Jésus vient. They are waiting so that we speak in their place, Lord come. Tu vas te convertir aujourd'hui. You are waiting to be converted today. Tu vas te convertir aujourd'hui. You are waiting to be converted today. Quand Dieu vient, tu fuis. Il vient, tu fuis. Il dit, je suis venu. Pourquoi ne t'ai-je pas trouvé? When God comes to run away, he comes to run away. He said, I came. Why did I not see you? Cette phrase veut tout simplement dire que pourquoi tu me fuis? Pourquoi? This phrase means why are you running away from me? Et puis tu es là, tu fais la bénédiction. And you're there, you want to be blessed. Quand le Seigneur t'envoie sa parole, tu fuis. When the Lord sends his word, you run away. Il est écrit dans la loi, il envoya sa parole et nous guérit. It is written in the law that he sent his word and healed us. Quand Dieu veut travailler dans la vie d'un homme, when God wants to work in a man's life, il commence à lui parler, He starts speaking to him. Il envoie ses disciples. He sends his disciples. Il envoie les prophètes. He sends the il envoie prophets. Les évangélistes. He sends evangelists. Et toi, and you, tu le fuis. You're running away. Tu t'es loin de Dieu. You go far from God. Volontairement. Voluntarily. Mais tu veux qu'il t'aide. But you want him to help you. Dis encore, je suis venu. Read again. Pourquoi? Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne?
J'ai appelé. I called. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Why did no one answer? Ceux qui répondent, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Their names are written in the book of life. Dieu connaît tous les hommes. God knows all men. Dieu sait quand. God knows when. Tu as dit non et quand tu as dit oui. When he said no and when he said yes. Pendant que tu es assis là, while you are seated there, les pensées qui t'animent, the thoughts you have, ce que tu comptes faire, what you are meditating to do, ta réaction intérieure à ce que j'ai dit, your inner reaction to what I'm saying, Dieu sait tout. God knows everything. Il sait déjà tout. He knows everything. Il sait déjà tout. He knows everything. C'est ce que tu ne savais pas. That's what you don't know. Prends l'Apocalypse. Read in Revelation. Prends le chapitre 20. Revelation 20. Lis à partir du verset 1. Read from verse 1. Puis, je vis descendre du ciel un ange. Ça, c'est les choses qui vont se passer à la fin du monde. These are things that are going to happen at the end of time. Donc tu es assis là, tu penses que tu es maître de ta vie. And you're seated, you think that you are the master of your life. Écoutez ce qui va se passer à la fin du monde. Listen to what is going to happen at the end of time. Ce que Dieu va faire du diable. What God is going to do to the devil. Des démons. To demons. Et des rebelles. And to those who are rebellious. Lis. Read. Qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Le diable est mis en prison. The devil is in prison. Donc il aime les fétiches là. Voilà, ton père, j'étais en prison. You who love fetishes, your father is thrown in prison. Dieu a montré à l'apôtre Jean. God showed to the apostle John. Ce qui va arriver à la fin du monde. What is going to happen at the end of time? Un grand ange est venu. Ouh, il a saisi le diable. Il l'a lié comme un petit, comme le poulet. A big angel came, ooh, and took the devil. Rapidement. And tied him up like a chicken. Il a ouvert la Bible, il l'a mis dedans, il l'a fermé. Acclamation à Jésus-Christ. Donc tu penses que le diable est puissant, voilà comment il était. Lis ces paroles-là. Read that word. Il saisit le dragon. Il lay hold of the dragon. Non, ce n'est pas comme ça que ça commence. Je vis. Puis je vis descendre du ciel. I saw from heaven. Qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne. Un ange qui avait la clé de l'abîme. An angel had the key of the abyss. Une grande chaîne. And a big chain. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il saisit le dragon. He laid hold of the dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Ça, c'est une précision pour que tu ne te trompes pas. C'est le diable. Well, besides this, so that you will not get confused, it's the devil. Qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. And he tied him up for 1,000 years. Et qu'est-ce qu'il a fait de lui? And what did he do? Il le jeta dans l'abîme. He threw him in the abyss. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Il ferme et scelle. He closed and he locked. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamation à Jésus. Clap of praise to Jesus Christ. Continue à adorer les idoles, tu verras. Keep on worshiping idols, you're going to see. Continue. Move on. Afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Continue. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Dieu a montré à l'apôtre Jean des trônes, et des gens étaient assis dessus. God showed apostle John thrones and people were seated on them. Oui, qu'est-ce que Dieu lui révèle? Ces trônes sont à qui? Those thrones belong to who? Et je vis
les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Tout ce qu'on persécute là. All those who are being persecuted. Tout ce qu'on punit à all cause those de Jésus. Who are punished because of Jesus. Et à cause de la parole de Dieu. Parce qu'ils prêchaient et rendaient témoignage, les gens les avaient tués. Because they were preaching and giving testimony, people killed them. Écoutez le son, continue. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Il y a des gens qui n'ont jamais, qui ne vont pas adorer la bête, qui ne vont pas servir le diable. There are some people who not serve the devil, who not serve the beast. Continue. Et qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur nez. Parce que quand les gens seront persécutés, on va les obliger à porter des marques pour pouvoir manger. Il y a un peuple dans ce monde qui va refuser, qui va dire que nous ne voulons aucune marque, nous sommes les enfants de Jésus. When people are going to be persecuted, they are going to oblige them to have a mark before they eat. There is a people on this world that are going to refuse that mark and going to say that we want Jesus. On va les tuer. And they are going to be killed. Pour eux, c'est zéro. La mourir pour eux, ce n'est rien. Pour for ils them, allaient au ciel avec Jésus de Nazareth. For them, dying is nothing. They just want to go to heaven with Jesus Christ of Nazareth. Quand tu es là, tu dis, mon papa m'interdit de prier. You're reste saying là. My father is forbidding me from praying. C'est là. Et ils vont, on va les tuer. And those people are going to be killed. Donc tu dis mon papa. He said my father. Il est musulman, il ne veut pas que Muslim, he doesn't want me to pray. Tu vas te convertir. You're going to be converted tonight. Dis amen. Say amen. Continue. Move on. Il revint à la vie. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Et ceux qui ont servi Jésus, qu'on avait assassiné, ils sont revenus à la vie acclamant pour Jésus. Donc, les filles, ils ont servi Jésus. Ils ont été back to life, clapping to Jesus Christ. Continue. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Les morts, les gens qui sont morts sans Jésus, ils sont restés dans les tombes. Those who died without Jesus, they remain in the grave. Leur tour va arriver quand on va les appeler pour les juger. Suivez bien. Their time is going to come when they are going to be called to be judged. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Maintenant, parle-nous de la deuxième résurrection. Continue. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Si tu as déjà donné la vie à Jésus, lève la main. If you're already giving your life to Jesus, lift up your hand. La parole de Dieu dit, tu es heureux, tu es saint, 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 tu es saint. You're holy. Continue. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Tu n'iras jamais à l'enfer. You will never go to hell. Ce n'est pas pour toi. It's not for you. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils seront devant Dieu chaque jour pour le servir. They are going to be before God every day to serve Him. Chaque jour. Every day. Sacrificateur. Priest for God. Continue. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils vont régner, toi qu'on ne voit pas, toi qu'on méprise là, tu vas régner avec Jésus. You know people despise, they don't see, you're going to reign with Jesus. Il y a un règne de 1000 ans avant ce qu'on appelle la dernière guerre, c'est-à-dire la guerre d'Armageddon. Il y a 1000 ans de vie, de félicité avec Jésus. Dans la gloire et la splendeur du royaume de Dieu. There's a reign of 1,000 years with Jesus before the war of Armageddon. Clap up to Jesus Christ. C'est après cette joie-là. It's after that joy. Que Jésus va manifester sa gloire. That Jesus is going to manifest his glory. Quand les 1000 ans seront accomplis. Satan sera relâché de sa prison. Maintenant, Jésus veut qu'il y ait la guerre finale. Jésus va dire à Satan, Satan qui était déjà jeté en prison, Jésus va demander qu'on fasse sortir le diable, qu'il prenne toutes ses armées s'il veut, et la vraie guerre va commencer. The devil that was already thrown into prison, Jesus will ask that he should be released with his army so that war can start. Continue.
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc le diable va essayer de mobiliser ces sorciers-là. The devil will try to bring his witches. Débrouillons-nous parce que let's manage. Nous savons que c'est fini, mais débrouillons-nous un peu. Even if we know that we've already lost, let's try. Continue. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ne soyez pas étonnés si beaucoup de personnes aiment le péché. On dit leur nombre est comme le sable qui est au bord de la mer. Don't be surprised if many people love sin. They say their numbers is like the sand of the sea. Dieu sait. God knows. Que beaucoup de personnes aiment le péché. That many people love sin. Mais il va sauver les élus. But he's going to save the saints. Ceux qui vont accepter Jésus. Those who are going to accept Jesus. Continue. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Continue. Mais un feu. Écoutez. Listen. Que le diable va réussir à rassembler toutes ses armées. The devil is going to succeed to bring together all his army. Les Saintes Écritures disent que Jésus doit revenir poser le pied sur le mont des Oliviers. The Holy Bible says that Jesus must come back and lay his feet on Mount Olives. Le diable va essayer de s'opposer. Vous avez entendu? And the devil will try to resist. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Then what will happen? Mais un feu. Un feu. A fire. Descendit du ciel. Descendit du ciel. Came down from heaven. Et les dévora. Et les dévora. And devoured them. Jesus Christ. Continue. Et le diable. Et le diable. The devil. Qui les séduisait. Qui les séduisait. Who seduced them. Fut jeté dans les temps de feu et de feu. Fut jeté dans cet étang de feu. He was thrown in the lake of fire. Où sont la bête et le faux prophète? Où sont la bête et le faux prophète? Where the beast and the false prophet? La bête est un homme politique qui va tourmenter le monde au dernier jour. The beast is a politician who is going to torment the world in the last days. Le faux prophète est un homme religieux qui va mentir aux nations d'adorer la bête. And the false prophet is a religious man who is going to lie to the nations to worship the beast. Mets tous dans le feu. All of them in the fire. Et le feu qui est descendu là ne s'éteindra plus jamais. And the fire who came down will never be quenched. Ce feu qui va descendre là. That fire that will come down. Ne s'éteindra plus jamais. Will never be quenched. Quels sont les autres candidats destinés pour le feu? Who are the candidates destined for the fire? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Praise the Lord. Ah, c'est le trône de Dieu. This is the throne of God. Blanc pur. White, le trône pure. De justice. The throne of righteousness. Lis ce qu'il va faire. Read what he's going to do. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Books were open. Et un autre livre fut ouvert. Il y a d'abord les livres furent ouverts. Books were open. Après, il y a un livre fut ouvert. Then a book was opened. Donc, il y a les livres. Books. Et le livre. And the book. Lis. Celui qui est le livre de vie. Donc, ce livre-là. That book. C'est le livre dont Jésus a parlé dans Matthieu, dans Luc 19, dans Luc 10, verset 19. Is the book Jesus spoke about in Luke 10. 19 to 20. Le livre où les noms des enfants qui ont reçu Jésus sont écrits. Si tu as reçu Jésus, mon ami, ton nom est dedans.
The book where the names of those who have accepted Jesus is written. If you have accepted Jesus, my friend, your name is in that book. Read. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez, listen. Il y a le livre. There is the book. Dans le grand livre qu'on appelle le livre de vie, il n'y a que les noms qui sont dedans. Il n'y a pas de commentaires. On in the great book, le nom, Boniface Meunier. Dis ton nom si tu as pris. In the great book, there is no commentary. Only the names are written. Call your name. À côté du grand livre, il y a des petits livres. C'est-à-dire, chaque être humain, même si nous sommes 8 milliards, chacun un livre. Beside the great book, there are little books. Every human being, even if we are 8 billion, every human being has a book. Qu'est-ce qu'on écrit dans ce livre? What is written in that book? Lise. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fut jeté dans le temps de feu. Was cast in the lake of fire. On dit chacun, ceux qui ne sont pas sauvés sont jugés d'après ce qui est écrit dans les petits livres. Those who are not saved, they are judged with what is written in the little books. Tu insultes quelqu'un, on écrit. You insult somebody, it is written tu down. Tu voles, on écrit. You steal, it is written tu down. Tu commets la masturbation, on écrit. You masturbate yourself, it is written down. Tu penses mal, que tu veux, tu tues les gens dans ta pensée, on écrit. You have evil thoughts, you kill people in your thoughts, it is written down. Quand on ouvre le grand livre, when they open the great book, on ne voit pas ton nom. Your name cannot be seen. On dit, retire-toi. Parce qu'il n'y aura que deux domaines existentiels. Because there will only be two domains which are existing. Ou tu es au ciel ou tu es dans le feu. It's either you are in heaven or in hell. Quand tu rates le ciel, tu tombes dans le feu. When you miss heaven, you fall in the lake of fire. Chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est bon. Qui veut entrer au ciel? Est-ce qu'il y a un pécheur ici? Qui veut entrer au ciel? Qui veut que Jésus écrive son nom dans son livre? Il ne veut pas souffrir. Lève la main. Is there a sinner here who wants to go to heaven? He wants Jesus to write down his name. He doesn't want to suffer. Come quickly. Viens, viens. Come quickly. Tu ne veux pas aller dans le lac de feu? Viens. You don't want to go into the lake of fire? Come. Oui, lève-toi, tu viens. Stand up and come. Ne regarde pas à gauche, je te dis que beaucoup, il y a ici beaucoup d'enfants de Dieu. Si tu penses que vous êtes nombreux, tu te trompes. Lève-toi seulement, tu viens. Yeah, there are many children of God. If you think you're many, you're deceiving yourself. Just stand up and come. Et on ne va pas beaucoup persister aujourd'hui. And today we are not going to insist a lot. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dès que tu te lèves, ton nom est écrit en même temps. As soon as you get up, your name is written at once. Dès que quelqu'un se lève, les anges écrivent son nom dans le livre. As soon as someone gets up, angels write down his name in the book. C'est une chose très sérieuse. It is a very serious thing. Faut pas t'amuser. Don't joke. Lève-toi. Stand up and come. Oui, acclamation. Clap up.
Lève-toi et viens. Stand up and come. Ton nom dans le livre de vie. Your name in the book of life. Si tu as donné la vie à Jésus. If you gave your life to Jesus. Et tu tombes dans le péché. And you fall in sin. Dieu te regarde. God is looking at you. Chaque jour, il te regarde. Every day, he's looking at you. Si jusqu'à la fin du monde. If you are the end of age. Tu n'es pas revenu. You will not come back. On efface ton nom. Your name is going to be wiped out. Si tu restes couché dans ton péché jusqu'à la fin du monde, if you remain lying in your sin until the end of time, dès que la trompette sonne, as long as the trumpet sounds, on efface ton nom. Your name is going to be wiped out. Donc si tu tombes, il faut vite te lever et tu reviens. So if you fall, stand up quickly and come back. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève vos mains. Lift up your hands. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Et écris mon nom dans le livre. Écris mon nom dans le livre. Write my name in the book. Je t'accepte. I accept you. Volontairement. Willfully. Consciemment. Consciously. Aujourd'hui. Today. Devant les frères. Before brethren. Devant les anges. And before the angels. Je t'accepte. I accept you. Je t'accepte. I accept you. Je te servir. I want to serve tous les jours de ma vie. All the days of my life. Merci Seigneur. Thank you, Lord.